Je regardais qu'aucun bébé également, sans œillère, donc un de nouveau aujourd'hui. Il a été parfait ainsi à Laval et il peut certainement encore bien courir aujourd'hui. En rappelant, Laurent, que comme l'a dit Thierry de Valdestin, la belle, c'est-à-dire le critérium des 3 ans, qui est une vraie course importante, hein, qui a vraiment une signification, surtout côté poulain, parce que quand on est étalon, c'est très vendeur, hein, d'avoir gagné un critérium des 3 ans. Donc ça va être vraiment le gros objectif de ces poulains de 3 ans, Canary Match, surtout qu'aucun bébé Crystal Money, parce que Canary Match paraît un peu barré pour la victoire, mais surtout, je voulais dire, qu'aucun bébé Crystal Money. Et donc on peut imaginer que les chevaux, qui vont avoir leurs grands objectifs dans un mois, sont bien, mais peut-être pas encore à 100%. Allez, mais à mon avis, à un mois de l'objectif, ils sont quand même en bonne forme. Donc ça, il faut le rappeler. Ça peut permettre, par exemple, à Canary Match, Laurent, dont vous venez de parler, qui lui est à 100%, qui a été préparé pour cette course. Il a même été à Laval pour bien préparer la course. Ça peut leur permettre d'être, voyez, de se rapprocher de chevaux qui lui sont peut-être un peu supérieurs quand tout le monde est à 100%. Oui, ça peut être l'opportunité pour Canary Match. Voilà, exactement. Aujourd'hui. Alors maintenant, je le vois pas pour autant battre qu'aucun bébé Crystal Money, mais c'est quand même, voilà, un paramètre important. Clever Lim, par exemple, qui est à l'image, est dans le même cas. On a un cheval qui est barré par les meilleurs. Donc aujourd'hui, lui, il va être à fond. Il a déjà couru récemment. On se pose pas la question de se dire, il y a la belle course dans un mois, on est gentil, ceci, cela. Non, lui, il va être à fond. Maintenant, malgré tout, on va dire que même un Crystal Money à 80%, ça, voilà, ça peut suffire pour gagner. Et puis, à un mois de la course, qui est leur grand objectif, il doit être à au moins 90%. Donc on se dit que ça peut suffire. C'est juste que voilà, pendant la course, si ça se passe mal, Franck Nivard va pas tirer en troisième épaisseur le nez au vent et tuer son cheval. Il va le respecter. Bien sûr. Mais ce n'est pas dit que ça va mal se passer. Allez. Et puis voilà, si qu'aucun bébé vient, peut-être qu'il aujourd'hui, peut-être qu'il va se dire, je vais prendre son dos finalement. Ce sera peut-être pas pareil quand ce sera le jour J, mais aujourd'hui, voilà, on va courir en essayant de bien faire, mais si ça tourne mal, bien sûr, on va respecter les chevaux. Donc tout ça pour dire que ça peut faire le jeu de chevaux qui avant tout sont des 3e ou des 4e chances, comme Canary Match, hein, on en parlait il y a quelques instants, numéro 7. Et puis 7. Le gros point d'interrogation, Laurent, c'est Captain Crazy. Parce qu'il est très bon, il est pas loin en valeur, hein, de qu'aucun bébé de Crystal Money. Maintenant, il est difficile à la volte. C'est le 5. Hein, c'est il a déçu 5. La dernière fois à Laval. Il y a sûrement eu quelque chose. On va voir ça bientôt. Là, je crois qu'on a demandé au starter de revenir. On va se repositionner. Donc, il a déçu à Laval. J'imagine qu'il a eu un problème ce jour-là parce que sa course était quand même mauvaise par rapport à sa réelle valeur. Mais voilà, il va falloir qu'il parte au trot. Ça va être intéressant de le suivre aujourd'hui. Et c'est Yann Lorrain, donc un jeune homme, hein, qui travaille pour Fabrice Soulois, qui est à son sulky. Jeune homme qui a brillé notamment avec Passias Lest en gagnant le Grand Prix du Sud-Ouest. On voit que Fabrice Soulois lui fait confiance pour driver ce très bon cheval qu'est Captain Crazy. Allez, on va bientôt partir. Attention, pour ce premier groupe de la journée, c'est un groupe 2. Allez, il est au galop. Regardez Captain Crazy au centre. Ouais. Faux départ, mais vous avez vu, hein, il est très très compliqué à la volte. Captain Crazy, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile de lui faire confiance parce qu'on a presque 2 chances sur 3 en ce moment qu'il parte au galop, hein, à la volte. Donc c'est un peu inquiétant. Et la cote du favori, hein, Crystal Money, est remontée progressivement. On est passé de 1,60 à 1,70, 1,80, 1,90. Maintenant, on est à 2 euros pour le numéro 10. 2,10 même sur l'hippodrome. 2,10 à l'instant même sur l'hippodrome, ouais, également. Regardez Captain Crazy au centre qui galope, hein, qui galope pas en étant gêné, hein, qui galope parce qu'il a envie de galoper. Accrochage entre Clever Lim le 1 et Cobra Bleu le 6. Ouais, il va partir à la corde, Pierre Vercruis. Je trouve que c'est peut-être l'information importante aussi de l'avant-course. Pierre Vercruis nous l'a dit à plusieurs reprises, son cheval a eu quelques ennuis et du coup aujourd'hui c'est une rentrée. Donc on peut penser qu'il va courir gentiment et qu'il ne sera pas menaçant pour au moins pour la victoire. Allez, on se regroupe une nouvelle fois. Anthony, on devrait partir dans quelques instants pour cette troisième course ici à Vincennes. On va surveiller de près le favori Crystal Money, Kazakh de Monsieur Cohen, Kazakh Rouge et Gris. Alors, est-ce qu'on est prêt à y aller? Alors que la cote du favori est retombée à 2 euros. Hein, 2 euros tout rond pour Crystal Money, numéro 10. Le fer de lance, hein, de l'écurie de Thierry de Valdestin pour cet hiver, Crystal Money. Ça n'ira pas. Alors tiens, pendant qu'on a du temps, Laurent, palmarès de cette course est assez somptueux puisque c'est Bold Eagle qui s'était imposé l'an passé, Aladdin des Cajoles il y a 2 ans. Des chevaux qui, vous l'aurez compris, ont ensuite gagné le critérium des 3 ans. Un mois plus tard, on avait auparavant Verilouk qui battait Voltigeur de Myrte, qui était deuxième de cette course. Timoko avait gagné en 2010.
Ridi Cash en 2008. Sacré palmarès. Palmarès superbe. Et comme on est assez près du critérium des 3 ans, vous voyez que finalement les champions, même un mois avant, étaient capables de gagner la course. On n'est pas en... On n'est pas dans une configuration où les chevaux sont qu'à 60%, quoi. Là, ils sont très près de leur bonne forme. C'est pour ça qu'on le disait, que Cristal Monet, même s'il n'est pas à 100%, il doit pas en ça être très suffire loin pour gagner aujourd'hui. Oui, bien sûr. Parce qu'on est à un mois de la course, et quand on est un trotteur, à un mois d'une course, on doit être déjà en bonne forme. Allez, on va s'élancer. Puis c'est quand même une course de groupe 2, hein. C'est pas non et plus oui. une petite course. Ouais. Attention. Quelques euros à gagner. Cristal Monet à la corde, Captain Crazy à l'extérieur, qui pour l'instant est au trot. Allez, c'est parti pour le prix Abel Bassini. Il est parti au trot, Captain Crazy. Yann Lorrain l'a isolé à l'extérieur et le cheval est au trot pour l'instant. Cristal Monet est parti à la corde. Ça n'a pas été le plus rapide. C'est Coquin Bébé qui est parti très fort, tout comme Cal des Rioux, le numéro 4 qui est lancé par Joss Verbeek. Cal des Rioux, Coquin Bébé, Cristal Monet un peu dans la boîte pour l'instant et Captain Crazy qui fait l'effort à l'extérieur, qui est lancé dans la descente par Yann Lorrain. Et le favori, Cristal Monet, vient en troisième position hein, pour le moment. Troisième position, donc plutôt côté corde. Et Coquin Bébé, l'autre favori de la course, lui est en deuxième position. Hein, casaque bleu foncé, croix de Lorraine bleu clair. Avec Jean-Michel Bazir qui va d'ailleurs prendre la tête de l'épreuve. C'est beaucoup regardé à l'avant du peloton. Jean-Michel Bazir questionnant du regard Yann Lorrain. Et c'est de là qui sont ensemble pour l'instant. Coquin Bébé et Captain Crazy donc aux deux premières places. Cristal Monet a pu se dégager de la corde. Et Franck Nivard vient désormais dans le dos de Captain Crazy. Alors qu'à la corde il y a le 4 Cal des Rioux. On voit ensuite l'As Cleverlim qui patiente en compagnie du 7 Canary Match. À l'arrière il y a le 8 Cocktail Mélois, avec un peu plus loin le 2 Captain Lynn, et c'est Cobra Bleu le 6 qui ferme la marche. Jean-Michel Bazir a donc la tête de la course. On était sur le pied de 1.19 au 1500. En tête Jean-Michel Bazir est tout près également en 4ème position, en 2ème épaisseur, le numéro 10 Cristal Monet, le favori avec Franck Nivard. On va deux par deux, Anthony. Ah, les champions sont à l'avant du peloton. Coquin Bébé, tête et corde, le lauréat du championnat européen des 3 ans qui mène la danse, avec à son extérieur Captain Crazy. Cristal Monet, le favori, le gagnant du prix de l'étoile, est en 3ème position, avec à son intérieur Cal des Rioux le 4. En 5-6ème position, il y a Canary Match accompagné par l'As Cleverlim. Cobra Bleu qui est revenu à la corde, avec à son extérieur Cocktail Mélois et le 2 Captain Lynn qui ferme la marche. Le chrono 1000 mètres, 1-12-6, et c'est le statu quo. Chacun garde sa place. Toujours Jean-Michel Bazir en tête avec Coquin Bébé pour l'instant à la corde. Cristal Monet, le principal favori, est toujours en 4ème position, en 2ème épaisseur. Personne n'a bougé encore et on aborde le dernier tournant bientôt, Anthony. 500 mètres à parcourir avec à la corde Coquin Bébé, à l'extérieur Captain Crazy. Cal des Rioux qui est 3ème, avec à son extérieur Cristal Monet que Franck Nivard commence à décaler gentiment. Canary Match vient ensuite avec un peu plus loin Cocktail Mélois et le numéro 1 Cleverlim. Ça y est, la course qui va être lancée. Coquin Bébé qui va devoir répondre à l'accélération brutale de Cristal Monet, les deux favoris qui vont entrer en tête dans la dernière ligne droite du prix Abel Bassini. À la corde Coquin Bébé, Jean-Michel Bazir à l'extérieur, Cristal Monet et Franck Nivard, c'est de là qui lutte pour la victoire. Cristal Monet qui semble prendre le meilleur sur Coquin Bébé qui lui répond à la corde. Cristal Monet qui a pris l'ascendant sur Coquin Bébé. Cristal Monet qui va remporter le prix Abel Bassini. Cristal Monet et Franck Nivard qui remporte ce semi-classique. Coquin Bébé est deuxième, le 9 Cal des Rioux le 4 sera troisième, et ensuite c'est disputé pour la quatrième place, avec notamment une très belle fin de course de Cobra Bleu qui a fini vite au centre. Eh bien, c'est un succès pour Cristal Monet. Il s'impose assez sûrement, associé à Franck Nivard. Cristal Monet, Casac Cohen, entraînement de Thierry Duval d'Estaing, élevage Rivière. Le fils de Cocktail Jet n'a pas déçu ses nombreux supporters. 2 euros tout rond en finale. Deuxième place pour le 9 Coquin Bébé, qui était le deuxième favori à 3,40. Troisième, le numéro 4 Cal des Rioux, à la cote de 16 euros. Alors, pour la quatrième place, c'est pointu. Hein. Ouais. Regardez, ils sont quasiment 1, 2, 3, 4 sur la même ligne. Allez, on donne leur numéro à la corde Las Cleverly. Au centre, Cobra Bleu le 6, un peu plus en dehors le 7 Canary Match, c'est complètement à l'extérieur le 8 Cocktail Mélois. Voilà, c'est pointu pour la quatrième place. Il y avait un mini multi, donc on va patienter quelques instants pour savoir qui termine quatrième. On annonce une photo 6 à C7. J'ai l'impression que ça se joue entre le 6 Cobra Bleu, qui est l'une des belles notes de la course. Ça, c'est vraiment super. On a vu un très bon comportement de sa part. Et puis Canary Match, j'ai l'impression que c'est peut-être entre ces deux-là que ça se joue. En tout cas, pas de problème pour Cristal Monet, qui a vraiment séduit tout le monde ici à Vincennes. Amélie.